Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy IV, The After Year. Et après avoir fait un certain nombre d'activités sur la Lune, il est temps de redescendre au cœur de la Lune. Comme prévu d'ailleurs, il y a relativement peu de temps. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Et bien, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Si je me souviens bien. Voilà, il y aura un passage. Enfin, je ne sais pas si on gagnera quelque chose, parce que normalement là c'était pour avoir une des premières armes de fin de jeu dans FF4. Mais bon, c'est FF4-2, donc c'est la suite. Longtemps on a déjà vu qu'on pouvait pas avoir Masamune, ce qui est techniquement parlant logique. Hein, mais... ouais, c'est bien ce que je crains. Et toi ça va être Foudre 3. Alors, magie noire, foudre 2, tourmente, magie noire, foudre 2, tourmente, on y va. En train de me dire que Golbez ferait peut-être plus d'attaque physiquement. Là, il a un critique, donc je peux pas comparer. Lire de Lamia. Ouais, cool. Bon, pas trop utile sur ce perso-ci. Je pense pas en tout cas. Maxi potion. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il y a un truc ici. Vraiment, c'est surtout pour. Il me semblait. Des passages, des passages secrets qui ne servent à rien. Le derrière est régène et lui ne prend rien. Magie, tout ce qu'il y a ici ne sert à rien. Bénédiction. Soyez approcheur. Parfait. 4000 en XP quand même. Ils deviennent généreux! Enfin, relativement en tout cas. Voilà, tout le monde est full life, ça c'est bon. On descend. On rentre. Les escaliers. On arrive dans la zone où il y avait la première arme de fin de jeu. Mais bien entendu, il n'y a rien ici. Ok, ça. Bon, bah, je fais le trajet inverse! Ce n'est pas grave. Un cristal à la fois. Un cristal à la fois. Le quatrième. Pendant cela, je descends encore et encore vers le centre lunaire. C'est un peu plus long maintenant qu'il y a des mobs sur le chemin à affronter. Mais bon, une chose à la fois.
Et on continue le décompte. 5 sur 8. On a plus beaucoup de temps. Mais bon, comme vous pouvez le voir maintenant, je suis de plus en plus proche. Je crois que j'arrive à la dernière carte, dernier étage, mais j'en suis pas sûr. Le septième. Quel compte à rebours. Wow. Souterrain lunaire. 12e sous-sol. Non! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me joue à vos prières, mes fils. Ah oui, c'est quand la baleine va vers la lune. Que se passe-t-il, ancien? Le dragon. Il appelle à l'aide. Quoi? Une des problématiques aussi de ce jeu, c'est au niveau de son histoire, elle est décousue. Hein. Parce que tu fais chapitre par chapitre, et à chaque fois c'est un personnage différent, et t'en vois donc un bout, et c'est au fur et à mesure que tout se raccroche en comme un puzzle. Alors, je trouve pas ça cool, personnellement. Il y en a qui doivent aimer, mais c'est pas mon goût. Honnêtement. Ah. Cluia. Allez hop, on y va. La grissale a été brisée. Et en effet. It's the last. En tout cas, le dernier sur la lune. Quelles seront les conséquences? Que se passe-t-il? Ça me fait au cadeau, tes cristaux ont disparu.
plus rien ne le retient désormais. Encore Zerobus. Si nous échouons, il n'y aura plus d'espoir pour laisser l'unité et la plaine bleue. Tu sais ce qu'il faut faire, Golbez? Bien sûr. Vous avez appris la coopération double magie noire. Putain, Zerobus quoi. Clé scénaristique du 4. Le pire c'est que je crois que j'ai dit à un moment donné que... on risquait de devoir réaffronter Zerobus un peu plus tard dans l'aventure quoi. Bah, je pense l'avoir dit, en tout cas, l'avoir pensé ça oui. L'avoir dit je ne sais pas si en effet ça a été le cas. Mais c'est chiant quoi. Ah, j'ai peut-être dû faire lenteur avant. Par contre, je vais d'abord faire lentin. Attaquer pendant ce temps-là. Magie blanche. Lentin. Sachant qu'il est déjà en mode... Ah non, c'est à chaque fois qu'il y a une attaque physique. À chaque fois qu'il y a une attaque physique. Je ne peux être vaincu! Le mal, c'est l'évolution à son paroxysme! C'est l'heure, Golbez! À la planète bleue! Ah oui, comme ça, tranquille, toi! Fusoya! Nous devons à présent y aller. Nous prierons pour que la paix règne sur votre planète. Partons. D'accord. Cécile. Tu vas vraiment le laisser partir? Vous êtes des frères! Adieu. Cécile! Adieu, mon frère.
Merci, mon frère. Pourquoi étais-je dévoré par la haine? Tu as donc repris tes esprits. Te souviens-tu? Te souviens-tu du nom de ton père? Père, il s'appelait Clua. Clua? Maybe. Il est encore en stade, à première vue. Toujours commencer par le healeuse, la healeuse. Ou 100 ? What ? 114, c'est quoi ça ? Est-ce donc là tout ce que vous êtes capable ? Quel dommage ! Chaîne glaciale. Ouvrez grand les yeux. Contemplez le paroxysme de la terreur. Réponds à mon appel, dragon obscur. Voilà. Sur la LES quand je disais. Ah, des DPS. Le dragon. Adieu, Cécile. Souffle étincelant. Ça, c'est quand Ridia est arrivé pour sauver Cécile. Voyons. Mon dragon obscur détruit par de la brume. C'est bon, tu peux bouger maintenant. Cette fois. Espèce de vieil œil insignifiant, tu es moins que rien! Le moment est enfin venu d'utiliser Météor. Non, t'es là! Arrêtez! Le sort vous consumera! Peu m'importe, que ma vie alimente le sort qui détruira la sienne. Impossible! Comment as-tu pu maîtriser Météor? Pourquoi hésites-tu?
C'est lui l'usurpateur. Alors, c'est toi, Cécile. Permets-moi de t'offrir quelque chose. Un cadeau en souvenir de notre rencontre. Cécile! Laissez-moi passer. Les sous-fifs de votre genre ne m'intéressent pas. Du balai. Kane, pas cette sottise. Apporte-moi le cristal. Sir Golbez. Non, Kane! Rosa, laisse tomber. Oh, Tutiel, c'est ça? Alors, elle aussi nous l'emmenons. Nous en prendrons soin jusqu'à notre prochaine rencontre. Viens, Kane. Et la petite cinématique supplémentaire de... Ah, comment ça s'appelle encore ? De la version 3D. D'ailleurs, quand Golbez a temporairement sa taille enfant, donc celui qui est juste là à gauche, donc Théodore, même chose, hein, c'est vraiment un ajout de la version 3D. Ton petit frère, comme il est repoussant. Quoi ? Il est la source de toutes tes souffrances. Qui est là? S'il n'était pas né, ton père et ta mère seraient toujours en vie. Non, non, c'est pas vrai! Tu n'es qu'un insecte répugnant, né du cadavre d'un dragon. Voilà ce que tu es! Non, arrêtez! Un retour sur la planète bleue. Non, c'est faux, je suis... Où suis-je? La lune. C'est une belle lune. Cécile. Et nous avons donc fini l'histoire des Célilites, la planète bleue de jadis. Même si je ne comprends pas pourquoi la planète bleue de jadis. Peut-être parce que la lune était partie, donc par définition c'était la planète Noël, peut-être dans ce sens-là. Je m'attendais à des révélations quoi, mais pour l'instant... Ouais, il y a Zeromus qui est de retour. Oh oh! Laissez un RST du 4, comme quasiment tout le reste. Assez ennuyant, je dois bien l'avouer. Mais bon. La seule chose qu'on a appris, c'est que Mr. Get est... comment dire... a des clones ou... quelque chose dans le genre. Particulier.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.